Environ 500 experts en géospatial prennent part du 22 au 26 novembre 2021 à la Conférence internationale des sciences géospatiales, Africa GIS 2021, ouverte ce mardi 23 novembre 2021 dans la capitale ivoirienne sous le thème central « Innovation et sciences géospatiales pour la croissance et le développement durable de l'Afrique ». Africa GIS 2021 est pour Niale Kaaba, ministre du Plan et du Développement, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Achi, une opportunité pour nouer des partenariats stratégiques avec les grands groupes qui opèrent dans le domaine des sciences géospatiales. C'est pourquoi, dira-t-elle, la vision 2030 du président Alassane Ouattara en plaçant l'homme au cœur du développement aura indubitablement besoin des sciences géospatiales pour impulser la croissance et le développement durable de la Côte d'Ivoire. En effet, dans sa déclinaison opérationnelle qui est le PND 2021 à 2025, le gouvernement ambitionne de faire passer le taux d'émission de Compagnie 2 de 0,49% en 2014 à 0,38% en 2025. Il ambitionne également d'améliorer l'indice de performance environnementale de 25,8 en 2018 à 30,05 en 2025. Il ambitionne, enfin, de hisser le taux de réalisation des inspections classées de 60% en 2018 à 80% en 2025, a expliqué l'émissaire du gouvernement ivoirien. Lire aussi, Science Géospatiale, ouverture à Abidjan de l'édition 2021 de Africa GIS. Africa GIS est la plus grande et la plus ancienne conférence africaine sur les systèmes d'information géographique, SIG, et l'observation de la Terre, à en croire Kinapara Koulibaly, commissaire général, par ailleurs directeur général du Bureau National d'Études Techniques et de Développement, BNET. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'accélérer de façon structurelle le développement socio-économique du continent, en osant franchir le pas de l'innovation. Les sciences géospatiales nous ouvrent un champ de possibilités inouïes, pour garantir notre sécurité, créer de la valeur tout en protégeant notre environnement pour les générations futures, a indiqué M. Kinapara Koulibaly. La conférence se tient tous les deux ans de manière tournante avec le soutien de l'ONU, de la Commission de l'Union africaine et de l'Union européenne, pour le développement socio-économique du continent. Pour rappel, en 2019, l'industrie spatiale africaine a réalisé un chiffre d'affaires de 7,37 milliards de dollars soit 3685 milliards de FCFA, et devrait générer plus de 10,24 milliards de dollars de revenus, soit 5120 milliards de FCFA, d'ici à 2024.